Voilà notre trophée. Waouh. C'est magnifique. Ça me donne envie de chanter. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car j'ai reçu mon trophée. Franchement, il faut beaucoup rire. Il faut rire. Il faut danser. Il faut toujours être dans la joie. De toutes les façons, ça, c'est mon quotidien. Look at that. Wow. Tout ceci, c'est aussi grâce à vous. Vous savez, lorsque vous avez une idée dans la tête, tant que vous ne la matérialisez pas, vous ne saurez jamais. On dit que qui ne risque rien n'a rien. La vie, ce sont les risques. Rien n'est garanti. Tant qu'on a peur de prendre les risques, on ne saura jamais ce qui est de l'autre côté en fait. Et ça, c'était un risque que j'avais pris. Un risque dans le sens où je n'avais aucune notion en couture. Mais j'ai dit, je m'allais me lancer. Je vais partager le peu que je connais. J'ai commencé avec les coussins, les tabliers de cuisine, les bavoirs. Je fais un coco à mon neveu Roy. Il avait joué le rôle du bébé qui portait, voilà, une bavoir en wax. Je voulais tellement promouvoir le tissu wax que j'utilisais tout ce qui était à côté de moi pour faire ça. Et un grand merci à ma tante, Tata Matt, qui m'a beaucoup aidé au début parce que j'avais pas de tissu wax et elle m'avait donné pas mal de tissus qui m'ont permis de démarrer ma chaîne en vous montrant des projets avec le tissu wax. Tantine, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, franchement, ces tissus m'ont beaucoup aidé. Un grand merci à mes petites cousines, à Lydia, qui a toujours été là pour moi, portant mes créations. Et merci à toi, Gaëlle, Gaga, celle qui on pense toujours qu'elle est ma fille, mais en fait, c'est pas ma fille, c'est ma petite cousine. C'est la fille de Tata Yvonne. Merci à toi, Tata Yvonne, qui allait aussi passer sur ma chaîne en tant que modèle. Et je pense qu'on avait fait également un projet ensemble pour cousir une jupe. En wax, je sais pas, peut-être je vais laisser le lien là. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, elle est très belle. Elle va vous donner la bonne humeur. Et voilà quoi. Merci également à Claire, la maman de Roy, qui avait porté le bonnet en wax. Vraiment, toutes ces personnes là qui, voilà, qui ont joué le rôle de mannequin dans mes vidéos, un grand merci. Merci à mon chéri également. Un grand merci à mes partenaires en wax, à ma boutique wax. Merci à toi, Maï, si tu regardes cette vidéo. J'ai qui sponsorisait la chaîne avec ces tissus wax. Ils étaient magnifiques. Merci également à Amagat Wax, ma partenaire en wax également. Et on a bossé sur un projet ensemble où j'ai tracé un patron pour sa boxe couture, la robe Aya, qui a vraiment cartonné. La robe Aya, c'est une robe qui a été créée dans une boxe couture où vous recevez le patron et le tissu pour confectionner votre robe. Et c'était une magnifique collaboration. Donc, merci à toi, Amandine. Si tu passes là, je te fais un coucou. Merci à Céline, celle qui m'assiste ces derniers temps lorsque je fais des patrons PDF. On travaille ensemble. On se partage les tâches. Merci à toutes mes collègues youtubeuses, à KSD Diane, à Winnie, à Zena, à Sala Paris, à qui encore? Annette, Daphné, il y a encore qui? Audrey, il y a encore qui? J'ai vu de citer tous les noms. À Massamo, merci à toi Massamo, merci à toutes les youtubeuses couture là. Pardon, s'il y a des youtubeuses couture ici là, celles qui, voilà, vous êtes passées sur ma chaîne, n'hésitez pas à laisser vos chaînes en bas de commentaires pour que les gens
gens puissent aussi vous découvrir, en fait. J'aime voir tout le monde réussir, donc n'hésitez pas à faire un coucou là, si vous êtes là, n'ayez pas honte. Merci à toutes ces personnes qui m'écrivent pour me soutenir, à toutes ces personnes qui ont, voilà, qui vivent de la couture maintenant, qui me disent, Irène, c'est grâce à toi, franchement, que j'ai pu ouvrir mon business en couture, c'est grâce à toi que j'ai ouvert mon atelier, c'est grâce à toi que je fais ceci, j'arrive à nourrir ma famille avec la couture. Franchement, ce sont des choses que quand je reçois ça, je dis, wow, c'est moi qui ai fait ça. En fait, je n'en reviens même pas. Merci à YouTube pour cette plateforme qui nous donne l'opportunité de partager notre talent, un talent que moi-même, je ne savais pas que j'avais, en fait. C'est un talent que j'ignorais que j'avais. Donc, j'ai découvert en moi que j'ai ce don de la transmission et j'aime enseigner. Franchement, dans la couture, ce qui me plaît le plus, c'est ce côté enseignement. Je kiffe enseigner. J'aime transmettre ce que je connais. Peu importe, que ce soit dans la couture ou n'importe quel domaine. Quand je transmets l'info, c'est-à-dire pour moi, c'est tellement beau. Cette plateforme m'a aussi permis de me découvrir, prendre confiance en moi, me dépasser. Je continue de le faire. C'est pas facile tous les jours parce que vous ne voyez que la partie visible là, mais ce qui se passe derrière, il y a trop de choses à gérer. Il y a le stress qu'il faut gérer. Il y a les commentaires négatifs qu'il faut gérer. Il y a le doute qu'il faut gérer. Merci pour tous vos messages d'encouragement. Pour me dire, Irène, tu as du talent. Irène, continue dans cette lancée. Irène, vraiment, tu vas aller loin. Celle qui me souhaite le succès, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez le champagne chez vous, si vous buvez le champagne, moi, je bois pas. Ouvrez quelque chose, buvez à notre santé parce que ceci, c'est également pour vous. Donc, je vais placer ça ici pour le moment. Et on va continuer avec la vidéo. Voilà mes pretty, j'avais demandé à certains d'entre vous de me poser certaines questions que je prendrai le temps de répondre en vidéo. Donc, je profite de l'occasion également pour répondre à certaines questions. De temps en temps, je vais lire les questions et je vais répondre. Alors, il y a une question d'une abonnée qui demande, elle dit, parle un peu de toi, comment tu as décidé de faire la couture. Personnellement, j'aime pas trop parler de moi parce que je ne sais pas comment parler de moi en fait. Mais je vais essayer. Alors, moi je m'appelle Irène, mon petit nom c'est Hiro. Hiro, un surnom qu'on m'avait donné lorsque je faisais la terminale dans un collège dans mon village, le collège de Libamba, c'est vers Makakalaba. Vers Yaoundé, celles qui sont au Cameroun, je pense que vous pouvez vous repérer. Et c'est une de mes camarades qui m'avait donné ce surnom, au lieu de m'appeler Irène, elle avait commencé à m'appeler Hiro, juste comme ça. Et voilà, tout le reste du collège m'appelait déjà comme ça. Après, je suis rentrée sur Yaoundé, voilà, je suis rentrée avec ce surnom. Dans ma famille, on m'appelait comme ça. Donc du coup, partout où j'allais, voilà, c'est ce surnom que j'utilisais toujours parce que ça me plaisait bien. C'est franchement, c'est cool, c'est mignon. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je suis originaire du Cameroun, de la ethnie Bassa. Je ne sais pas si c'est vraiment important dans cette vidéo. Je suis née il y a de cela très 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 longtemps. Très longtemps. Vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai eu mon bac, un bac scientifique, un bac D. J'ai fait formation en BTS, BTS informatique et de gestion. Mais malheureusement, je n'ai pas pu trouver le travail lorsque j'étais au Cameroun pour exercer dans ce métier. J'aurais voulu bien continuer mes études, mais ça n'a pas été possible après. Je me suis retrouvée du côté de la Hollande où j'habitais chez ma tata en fait. Donc la tata que j'ai dit qui m'a aidée avec les tissus lorsque je me lançais sur YouTube, c'est chez elle que voilà j'habitais en fait. Je suis l'aînée d'une fratrie de 3 enfants. J'ai une petite soeur et un petit frère et je suis orpheline de maman et de papa. Ça fait très 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 longtemps. Mon maman était décédée en 1995 et 4 ans plus tard, donc en 1999, mon papa était décédé. Donc je suis orpheline en fait et moi qui me manque souvent, beaucoup beaucoup dans mes moments difficiles. Mais bon, c'est la vie et Dieu nous envoie toujours d'autres parents qui jouent le rôle, voilà, pas forcément du vrai papa et de la maman, mais qui font les efforts de jouer le rôle pour un peu remplacer ce vide, bien qu'il est irremplaçable, mais on fait avec. J'habitais d'abord en Hollande chez ma tata et finalement je suis maintenant en Belgique. C'est ici que je vis, en Belgique, dans la région Flandre de la Belgique. Là on parle le néerlandais, c'est du côté là que j'habite en fait. Je suis pas à Bruxelles, non, je suis dans un petit village, pas trop loin de la Hollande, donc je suis dans mon petit village ici, tranquille. Personne ne me connaît ici là, personne ne sait que je suis youtubeuse dans mon cadre ici. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, voilà, je suis youtubeuse couture.
En gros, c'est ça. Voilà, je vais continuer avec les questions. La personne demande encore, quand tu as décidé de faire la couture? En fait, je me suis lancée dans la couture tout simplement parce que je m'ennuyais. Voilà, c'est l'ennui en fait qui m'a fait me lancer dans la couture. Et encore une question similaire d'une abonnée qui me demande, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la couture? Comme j'ai répondu plus tôt, c'est l'ennui qui m'a poussé à me lancer dans la couture. J'aime pas m'ennuyer. Lorsque je vivais en Hollande chez ma tata, j'avais pas une situation régulière dans le pays. Donc du coup, je passais toutes mes journées à la maison. Je pouvais pas travailler, je pouvais rien faire, je pouvais pas aller à l'école. Donc c'était un peu chaud. Et donc du coup, je cherchais à faire quelque chose à travers mes mains. À l'époque, je chantais beaucoup. Ça me manque même déjà. Ça, c'est mon premier amour. Je chantais beaucoup, donc j'interprétais les chansons. Mais j'avais un ami qui était en Norvège. Il m'envoyait souvent des beats et puis il me demandait de poser ma voix dessus et tout ça. J'écrivais les chansons, surtout avec ma langue maternelle de Bassa que je chantais, que j'arrangeais, je mixais. Tout ça, je faisais ça à la maison juste pour m'occuper. Ce sont des choses qui me donnaient la joie. J'aime beaucoup faire des choses qui me procure la joie en fait. Après est venu un jour où voilà mon ami là il est retourné au Cameroun, donc c'était un peu comme ma motivation parce que j'aimais chanter mais j'avais vraiment pas confiance en moi, j'avais toujours cette peur et il était toujours là pour me pousser à travailler. Mais dès qu'il était parti, sans vous mentir, j'avais lâché et puis voilà, j'ai laissé tomber. Et c'est donc là où je me suis retournée, pas vraiment dans la couture, parce que ma tata, là où j'habitais, elle est couturière et elle est infirmière aussi. Donc, quand elle rentre du travail le soir, elle a des commandes, des cours, bien sûr, cours pour d'autres personnes ou alors juste, voilà, pour passer le temps. Mais sans vous mentir, moi, je regardais seulement comment elle cousait, mais je n'avais jamais été intéressée à la couture, en fait. Je n'avais jamais été intéressée jusqu'au jour où je voulais qu'elle me fasse des vêtements, mais elle n'avait pas le temps parce que avec le travail, tout franchement, avec le recul, maintenant, je vois que c'est pas facile. Franchement, c'est pas évident d'allier les deux. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder les vidéos sur DIY sur YouTube. Et puis, voilà, j'ai commencé à bricoler des trucs et je portais. En fait, puisque je voulais porter des vêtements en wax, elle avait beaucoup de tissu wax chez elle. Elle en a toujours. Et c'est comme ça que j'ai commencé donc à bricoler des trucs. Voilà, sans plus, c'est juste comme ça. En fait, moi, je voulais juste avoir un vêtement en wax. C'est ça qui m'intéressait beaucoup. Une autre personne qui m'a posé la question, est-ce que la couture t'a toujours attirée? Moi, personnellement, la couture ne m'a jamais attirée, franchement. La musique m'a toujours attirée. Le côté artistique m'a toujours attirée. L'art en général. Maintenant, je comprends avec le recul que la couture, même, c'est dans l'art, en fait. Mais la couture ne m'a jamais attirée. C'est-à-dire, déjà, j'ai dit, ah, ok, peut-être je vais devenir couturière ou designer. Designer dans un autre domaine, mais vraiment pas en couture. Donc, ça ne m'a jamais attirée. Lorsque j'étais au Cameroun, j'avais une amie et camarade en même temps. Elle était couturière. Et lorsque je voulais faire un vêtement, je faisais un croquis de ce que je veux et j'amenais chez elle. Je lui disais, ok, Yvette, faut me coudre ça. Elle faisait le vêtement. Si c'est pas bien fait, je disais, non, tu n'as pas bien fait. Il faut que ça arrête bien ici, là, il faut que ça arrête bien là. Je savais exactement ce que je voulais, mais je savais pas coudre. Donc, c'est un peu ça. Et voilà, c'est elle qui cousait mes vêtements et tout. Il y a une autre question. As-tu pris des cours ou sinon, comment tu as appris le patronage? J'ai pas encore pris les cours de couture. On va dire, je suis allée dans un centre de formation et puis j'ai pris des cours. Non, j'ai appris sur le tas. Jusqu'à présent, 2022, j'apprends sur le tas. Je regardais des vidéos YouTube et même quand je me lançais dans le patronage, je regardais des vidéos YouTube. Je regardais beaucoup plus les anglophones parce que j'avais trouvé que certaines vidéos, elles s'expliquaient beaucoup mieux. Et il y a une youtubeuse anglophone vraiment qui m'avait aidée, Billie Keys. Elle a un nom là, je pense. Elle est bien connue. Et c'est là-bas que j'avais appris à tracer le patron de corsage de base. Et puis, je l'ai ramené à ma source aussi parce que je regardais les vidéos sur... le monde francophone sur le patronage, c'était trop technique pour moi. En fait, je comprenais rien. A, B, C, A1, A2, et puis elle est montée, descendue, un douzième de la poitrine, moins deux cinquièmes de, voilà, du tour de cou. Franchement, pour moi, c'était, le langage était trop technique. Donc, du coup, j'y arrivais pas. Pourtant, maintenant, avec le recul, j'arrive à comprendre. Moi, au début, franchement, pour vous dire, je comprenais que dalle. Et c'est à travers les vidéos en anglais que j'ai pu vraiment comprendre le concept et puis je l'ai adapté à ma façon pour que je puisse comprendre. Et ceux qui ont regardé ma vidéo sur le patron de corsage de base où j'expliquais avec le t-shirt et tout, comme un enfant de 5 ans, j'avais juste retranscrit ce que j'avais compris.
Et c'est comme ça que j'apprenais donc sur YouTube. Je partais apprendre, je faisais des exercices à la maison, j'apprenais seul, autodidacte. Je me lève le matin, voilà, j'allume mon ordinateur, je fais des recherches sur YouTube, j'ai mes cahiers, j'apprends et tout ça. Je fais des tests, plusieurs tests. Et puis je dis, ok, je vais aussi partager avec ma communauté, quoi. En fait, pour moi, c'était comme j'ai l'info et puis j'appelle mon ami. Il y a ça. Regarde un peu, c'est comme ça qu'on fait. J'ai fait comme ça. Essaye un peu si ça donne. C'est le principe que j'utilisais sur ma chaîne, en fait. J'essayais et je ramenais le tutoriel vers vous. Je dis, j'ai essayé ça. Essayez un peu si ça donne. Donc, pour moi, j'étais vraiment curieuse de voir est-ce que ça donne vraiment. Et c'est comme ça donc que j'ai commencé à m'entraîner. Je commençais par la jupe de base parce que c'était le patron le plus facile. Après, le patron de bas, le corsage de base qui m'avait bien tabassé. Je dis bien tabassé au point où je pleurais et jusqu'à ce que je maîtrise. Ensuite, il y avait la manche de base que j'avais aussi trouvé facile. Il y avait le pantalon de base. Mais ce sont des choses que je prenais le temps d'apprendre. Et dès que j'assimilais un peu, allez, je m'empressais de faire une vidéo. Et voilà, pour la livrer en fait. Et avec le format vidéo, je savais qu'après, je peux moi-même, voilà, revoir. On dit, l'homme n'est rien sans ses bords. J'étais curieuse toujours de savoir si est-ce que la méthode fonctionne avec tout le monde ou pas. Et voilà, j'adaptais avec mes paroles, mes termes et tout ça. Bref, c'est comme moi, je comprenais. Mais sans vous mentir, je ne suis jamais allée dans une école de couture jusqu'à l'heure actuelle, en 2022, nous sommes. Il y a une autre question où quelqu'un me demande quel logiciel pour tracer les patrons sur ordinateur. Il y a plusieurs logiciels pour créer des patrons sur ordinateur, mais moi j'utilise le logiciel Valentina. Valentina qui est téléchargeable gratuitement sur Internet. Et à partir de ça, vous pouvez tracer vos patrons sur ordinateur. Il y a également quelques tutoriels sur YouTube et des formations peut-être que vous pouvez acheter. Et de là, vous pouvez apprendre comment, voilà, tracer quoi. Pour vous dire, ouais, je suis toujours en train d'apprendre. D'ailleurs, j'avais sorti deux patrons cette année. Un patron d'une robe qui est en collaboration avec Amagat Wax, la robe Aya. Je vais laisser la photo quelque part là. Pour celles qui ne sont pas encore au courant, je vais vous laisser le lien en bas de description. En fait, c'est une box que nous avons créée et dans la box, vous recevez des tissus qui vont vous permettre de réaliser la robe. Donc, le patron qui est déjà imprimé, vous avez tout prêt et vous pouvez réaliser votre robe. Ça a été un succès. Merci à tous ceux qui ont acheté la box et qui ont voilà, fait l'expérience avec Aya. Elles sont toutes magnifiques, les dames. Également le Top Hero que j'ai créé cette année. Là, je porte la version robe, mais je l'ai créé sur ordinateur. Comment as-tu pu apprendre seule? Est-ce que tu avais des notions de débutante? Je n'avais aucune notion de débutante. C'est comme ça, quand tu te lances sur le tas, ça sort comme ça sort, comme on dit chez nous au Cameroun. Mais je me suis quand même en sortie avec trop d'erreurs. Franchement, c'est la partie qui n'est pas jolie, mais bon, c'est à travers nos erreurs qu'on apprend. Donc, j'ai appris de mes erreurs, je continue d'apprendre, je continue de faire des erreurs, c'est pas que c'est tout est nickel, mais j'apprends au fur et à mesure de mes erreurs, j'ajuste et tout, mais je n'avais aucune notion de débutante. Et c'est ça qui est bien avec les formations, ou alors, si vous regardez des vidéos sur YouTube, voilà, comment débuter et tout ça, vous pouvez avoir quand même quelques petites notions qui vont vous aider sur le temps en fait. Il y a une autre question, est-ce que tu patronnes à la demande? Oui, je patronne à la demande. Il y a des gens qui me contactent pour le tracer les patrons, soit les patrons de base, soit des patrons d'un modèle. Donc la personne me contacte et moi je trace les patrons, voilà, de la personne. Avant, je traçais les patrons sur papier, puisque je ne savais pas encore tracer les patrons sur ordinateur. Donc du coup, la personne commandait le patron de base qu'elle voulait, je fais un appel vidéo avec la personne et on prend ses mensurations parce que j'aime bien vérifier. On prend les mensurations ensemble et je trace son patron de corsage de base, manche de base. Bref, c'est que la personne a commandé, quoi. Que ce soit le pantalon ou la jupe de base. Et j'expédie le colis, en fait, avec le patron que j'ai fait. Et maintenant, avec les patrons digitaux, comme je trace déjà sur ordinateur, c'est encore plus facile, donc la personne peut commander le patron et on prend les mesures. Tu peux commander le patron sur mesure et je le trace et j'envoie juste le fichier que la personne va télécharger de l'autre côté et imprimer et elle aura son patron déjà fait. Donc, suivant le modèle que la personne veut de ma disponibilité, donc les prix varient selon les modèles. C'est un modèle facile, un modèle compliqué, donc il y a tout ça en fait. Mais sinon, je fais les patrons à la demande. Si vous êtes intéressé, vous me laissez un message en commentaire, quoi. Comme ça, je vous envoie mes modalités.
Une abonnée qui a demandé comment tu fais pour concevoir des patrons lorsque tu vois un modèle, lorsque je vois un modèle où sur une photo dans un magasin, là aussi sur une personne portée, quand je suis dans les magasins, ce que je fais toujours c'est de regarder à l'intérieur comment ça a été agencé, parce que parfois tu peux avoir tout le truc en place mais tu ne sais pas comment agencer. Donc il y a aussi ça que je regarde beaucoup, je regarde comment ça a agencé en fait. Et là, j'ai une idée. Ah oui, c'est ça qui vient avant ça et puis ça et ça. Et je peux compter le nombre de pièces sur le vêtement, le nombre de pièces de patron. Donc, ça, comme ça que je fais. Si par exemple, le vêtement est porté sur une personne, c'est encore plus facile. Je marche là. Je ne sais pas si les couturiers, vous faites ça. Tu es en train de marcher dans la rue, tu vois une personne porter un vêtement qui te plaît et tu fixes la personne. Mais en fait, tu ne fixes pas la personne, mais le vêtement, tu es en train de, voilà, de dessiner dans ta tête, en fait. Là aussi, c'est plus facile. J'arrive à voir tous les détails du vêtement et je sais que, ah oui, le dos a été coupé comme ça. J'arrive à voir, en fait. Et si, par exemple, c'est une photo, déjà sur Pinterest, lorsqu'on va avoir des idées pour des modèles de vêtements, j'ai souvent besoin de la photo de devant et la photo de dos parce que c'est très important. C'est un peu comme une cliente qui va t'envoyer une photo, je veux ce modèle, et tu n'as que le devant. Tu ne sais pas au dos, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'il y a une fermeture? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'il y a des boutons? Est-ce qu'il n'y a pas de fermeture? Donc, du coup, c'est parfois compliqué. Mais sinon, même à travers une photo, si j'ai l'avant du vêtement et le dos, j'arrive à voir, voilà, c'est telle pièce. Le devant, il y a tel nombre de pièces, c'est coupé au plus ou bien c'est coupé en deux. En fait, je compte les pièces. Donc, partout, il y a des coutures. Là où je vois les coutures, je sais qu'ok, ici il y a une couture ici. Donc tu arrives à voir les séparations. Là où il y a les coutures. C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est comme ça que j'ai fait en fait. Une autre question, comment tu as appris à créer des jolis modèles de couture en tant que débutante? Je prenais mes anciens vêtements que j'aimais beaucoup et je reproduisais en fait. J'étale le vêtement et je compte le nombre de pièces. Je ne savais même pas encore tracer les patrons, je compte le nombre de pièces. C'est qu'ok, ça c'est telle pièce et je recopiais sur papier. Et puis je recoupais mon vêtement pour avoir exactement, voilà, le même vêtement. Donc, en tant que débutante, je pense qu'il faut aller sur des modèles simples, un peu comme le modèle du Top Hero. Il n'y a pas vraiment, vraiment la seule technique qu'il y a sur ce modèle, je pense, c'est la manche. Mais là, on n'est pas obligé de la mettre avec cette parementure. Mais sinon, les coutures sont juste droites. Vraiment, c'est un modèle simple qui a été pensé uniquement pour les débutants, pour leur faciliter la tâche. Mais pour les débutants, chasser des modèles simples, des jupes avec élastique, des hauts vraiment simples. Par exemple, avec ce style de manche, la manche, elle est directement intégrée sur le top. C'est facile. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de bouton. Parce que je sais que ça, c'est la bête noire des débutants. Donc, des modèles vraiment très, très, très simples. Et vous vous en sortez sans problème. Et c'est toujours joli, en fait. Est-il possible de s'en sortir seul dans la couture sans passer par une formation? Oui et non. C'est pas forcément obligé parce qu'il y en a qui s'en sortent sans avoir besoin d'aller dans une formation, mais il y en a qui en ont besoin. Genre, c'est vital puisque avec la formation, on va direct au but. Et aussi, le truc avec la formation, c'est que on a déjà toutes les informations regroupées. Alors que quand tu apprends sur le tas, il faut avoir le temps. J'ai pu apprendre tout ce que j'ai appris comme ça là, c'est parce que j'avais le temps devant moi. Comme j'ai dit, j'étais à la maison 100% et voilà quoi. La lumière là, ça s'allume, ça s'éteint. Ce problème, c'est quoi? J'étais à la maison, donc j'avais vraiment le temps. Mais lorsqu'on n'a pas le temps, on travaille. C'est mieux de prendre une formation. Pourquoi? Parce que ça te fait gagner en temps. Ça évite de perdre le temps à regarder 10 tutoriels, 10 ou 15 tutoriels pour comprendre. Je peux expliquer le concept, une personne comprend et l'autre ne comprend pas. Et voilà, ainsi de suite. Donc, du coup, chaque personne sait que oui, si je vais là-bas, je vais comprendre ce qu'elle dit. C'est pas tout le monde qui comprend mes tutos. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Peut-être chez ma voisine, voilà, le langage, ça passe en fait. Mais moi, franchement, je suis beaucoup plus axée sur les débutants de couture facile, rapide. On n'a pas de temps. Nous, les pressés, pressés. Malgré les années que je cours, moi, je suis toujours pressée, pressée. La team va vite. On veut vite terminer. Il y a une autre question. La personne demande, est-ce que je pourrais avoir un bon livre de modélisme? En fait, je ne peux pas vous recommander un bon livre de modélisme parce que moi-même, je ne connais pas.
Je vais être honnête avec vous, je ne connais pas. Donc, du coup, je vais laisser cette question ouverte pour toutes les professionnelles qui sont sur ma chaîne, parce que je sais qu'il y a des professionnels sur ma chaîne, je sais qu'il y a des grandes couturières sur ma chaîne, je sais qu'au moment où j'ai étudié la couture dans des écoles, des grandes, grandes écoles. Donc, si vous connaissez des livres de modélisme que vous pouvez nous recommander, n'hésitez pas en barre d'infos de laisser les liens ou alors où on peut se les procurer. Voilà, de donner les noms des auteurs et tout ça. Moi personnellement, je n'ai pas de livre à recommander. Je pense que j'ai fait le tour des questions, ce sont les questions que j'ai reçues. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre de commentaires. Peut-être je pourrai répondre. Ou alors je ferai une autre vidéo, je répondrai de temps en temps lorsque je fais une vidéo. Donc voilà mes petits, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle n'a pas été très longue. De toutes les façons, un grand merci encore pour tout votre soutien. Un grand merci pour vos commentaires, vos encouragements et chaque fois. Et merci encore pour les 100 000 abonnés. Nous sommes bien à 111 000 abonnés. Donc les aventures sur la chaîne continuent. Cette année, j'ai pas été vraiment très très active à cause de ma santé qui avait pris un coup l'année passée. Donc du coup, cette année vraiment, c'était repos, 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 repos. Quand je peux, je fais des sorties, mais c'était vraiment repos. Et je suis toujours aussi en train de me former. Comme je vous ai dit, je suis en train de tracer des patrons sur ordinateur et c'est pas toujours évident, ça donne de tête. Du coup, je fais de mon mieux et c'est un projet que j'ai envie de mettre sur pied. J'ai beaucoup de demandes sur les formations et tout ça. Donc vraiment que Dieu me donne la force pour pouvoir réaliser tous ces projets parce que j'ai les demandes. Il y a des gens qui veulent se former. Mais je promets que l'année 2023, il y aura de très belles surprises que j'aimerais partager avec vous sur la chaîne, des jolis patrons que je vais vous proposer pour 2023. Donc restez scotchés. Merci, merci pour tout. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Invitez d'autres personnes à découvrir la chaîne. Et voilà quoi. Merci pour toutes ces années de bonheur parce que l'année prochaine, on va dire en mars, ça fera exactement 5 ans que je serai sur YouTube pour vous rendre compte. 2023. Donc, vers mars 2023, ça fera exactement 5 ans que je suis sur YouTube. Il y en a plusieurs parmi vous. Vous m'avez vu à mes débuts. Vous voyez comment, voilà, je m'améliore. Vous voyez comment j'évolue. Si ça peut inspirer d'autres personnes, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions concernant YouTube couture et tout ça, n'hésitez pas. Si vous aimeriez que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas. Et celles qui veulent se lancer sur YouTube, vraiment lancez-vous. Celles qui se sont lancées déjà sur YouTube, bravo. Je salue toutes mes collègues youtubeuses franco-afro et toutes les autres youtubeuses. Donc si vous avez un rêve, ne lâchez pas, restez focus sur votre objectif. Les débuts sont très très difficiles, mais je vous assure que avec la persévérance, on finit toujours par y arriver. Et lorsqu'on y croit en son projet, donnez-vous des années, vous allez voir le fruit de votre travail. Quand j'ai commencé, on m'aurait dit que je pouvais avoir 100 000 abonnés. J'allais dire non parce que quand j'ouvrais ma chaîne, je n'étais qu'à 2 abonnés. Je m'étais abonné à moi-même et mon chéri en fait. Donc ça c'est pour vous dire que tout est possible à celui qui croit. N'abandonnez pas vos rêves, ne lâchez pas. Écoutez votre cœur, foncez et restez discipliné parce que seul le talent ne suffit pas. Discipline, discipline et continuez d'apprendre. Voilà. Je vais m'arrêter là pour le bavardage. Je vous embrasse très fort. D'ici la restez en santé, restez en paix, restez créatifs. Et surtout que Dieu vous bénisse. On se voit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vais laisser le lien du patron du Top Hero en bas de la description pour ceux qui n'ont pas encore le patron PDF. N'hésitez pas à les télécharger ou faites votre propre. Sinon, il y a la vidéo tutoriel comment réaliser cela sur mesure. C'est tout sur la chaîne et c'est gratuit. D'accord? Bisous et que Dieu vous bénisse. Mouah! Bye bye!